Fais silence, mais tais-toi. Parle pas trop vite. Tu parles trop vite, t'es précipité. Tu es précipité. La vitesse de ton propos a raison de la morale de ton esprit. Donc tu mens. Maintenant, il faut que la morale de ton esprit maîtrise ta langue. Ça vient d'où ça? Le prophète, mais tiens ta langue. Tiens ta langue, sinon c'est la langue qui te tient. Si c'est la langue qui gouverne, t'es perdu. Mais si c'est la maîtrise de la langue, la patience que tu... le travail que tu fais sur toi, alors tu peux changer de comportement. Rien n'est définitif dans le comportement, si ce n'est que si le comportement s'impose à toi, alors t'es définitivement perdu. Mais si tu te maîtrises et tu fais ce travail-là, le comportement se change. On apprend à dire la vérité. On apprend à être généreux. On apprend. T'es pas né généreux. T'es né égoïste, des plus égoïstes qui soient. Tu n'as pensé qu'à toi au départ. Je veux manger. Mes jouets, poussez-vous. Il a fallu que ta mère vienne, ton père vienne, ton prof te dise non, donne, partage. Et tu vas pas me dire oui, je l'ai fait tout de suite. Non, tu l'as fait à ton corps défendant. Tu sais pourquoi? T'as beaucoup pleuré pour donner. Tous les êtres humains sont comme ça. T'as commencé par donner et t'as commencé par pleurer. En fait, t'es un généreux qui a d'abord pleuré pour donner. Et puis à un moment donné, tu souris en donnant. Puis à un moment donné, t'as même envie de donner, même si tu pourrais ne pas le vouloir. C'est tellement vrai. Vous n'atteindrez pas la piété jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu donnes et tu détestes donner. Et tu donnes et t'aimes donner. Puis le sommet de la foi, c'est que tu donnes ce que tu aimes. Pourquoi tu donnes ce que tu aimes? Parce que tu aimerais le garder. Ça, c'est un travail, c'est l'éducation, c'est un travail comportement, sur le comportement, la sagesse de cette patience-là. Ça prend du temps, c'est des étapes, c'est une lutte. Donc, il faut être patient pour la lecture, même la lecture pour apprendre. On commence, voilà, il faut être patient, puis il faut cumuler la connaissance avec patience.